Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée de LEC. La Super Week finale du Spring Split bat son plein. Et aujourd'hui, eh bien, on va savoir peut-être si les playoffs sont définitivement validés pour ce Spring Split ou si tout cela se décidera lors de la dernière journée, bien entendu demain. Voilà, donc pas mal d'histoires possibles. Aujourd'hui, je suis avec Tréton et Duke donc pour parler des matchs d'aujourd'hui. Comment ça va, messieurs? On va commencer par toi, Duke. Ça va très très bien, ça va très bien. J'ai hâte de voir les matchs d'aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus serré que ceux d'hier. Il y a eu des matchs sympas hier, mais sur le papier, c'était plus toujours David contre Goliath. Ouais. Aujourd'hui, il y a plus de grosses affiches. Et malgré tout, Tréton, on a eu des surprises et aujourd'hui, on pourrait encore en avoir. La bataille pour les playoffs est toujours. Ah oui, toujours d'actualité, même plus d'actualité qu'au début de la semaine. On avait un petit peu peur justement qu'il n'y ait plus de suspense dès la première journée. En réalité, il y en a encore beaucoup, donc extrêmement pressé de voir les matchs avec des remontadas possibles. Alors, que s'est-il passé dans la journée d'hier? Si vous étiez là, eh bien, on va quand même se rafraîchir la mémoire. Et si vous n'étiez pas là, c'est une bonne occasion eh bien, de se mettre à jour. SK contre Rogue, on attendait une démonstration de Rogue, Duke, mais les SK l'emportent, notamment emmenés par un Gilius de feu. Toujours Gilius qui a activé le mode Miracle Run et qui est en pleine forme. Parfois des moves, pas toujours parfaits, mais honnêtement, cette game, elle était quand même assez clean de sa part. Il y a eu du lourd, et puis Jésus aussi qui était très en forme. Ça fait plaisir, hein, les SK, on peut commencer à y croire, même si c'est pas fait. C'est pas fait, c'est sûr. Misfits contre Astralis, Tréton, c'était un match difficile pour les Misfits, un peu un match bourbier. Alors un match bourbier, certes, après, est-ce qu'on peut dire difficile? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a tellement stompé early qu'on s'est déconcentré et qu'on s'est retrouvé dans un mid-game un peu compliqué où on a fait des erreurs, on s'est fait voler un Baron Nashor, on a donné pas mal de choses au Astralis, mais globalement, les Misfits étaient, de mon point de vue, assez au-dessus. Ils n'ont pas eu peur non plus de perdre cette partie contre Astralis, qui s'est quand même bien défendu, surtout Kobe avec sa Jinx qui a pris quelques shutdowns, qui a fait quelques dégâts en teamfight, mais derrière, on était juste trop bien du côté des Misfits, et un Néon qui n'a pas été impressionnant en early game, par contre en teamfight, que j'ai trouvé très très fort. Il continue de monter en puissance, ce Karyade. C'est vrai. Néon solide sur Aphelios, alors qu'on le connaissait surtout sur sa version Jinx. Le deuxième Miracle Run potentiel, c'est celui des Mad Lions. Hier, il s'impose contre les Vitality, notamment avec une dernière rotation de draft très solide avec Poppy et Alistar, Duke. Oui, alors je trouve pas qu'elle soit si solide que ça, personnellement. Je pense qu'elle est solide une fois que tu te mets à comeback, mais qu'ils devraient pas avoir les outils pour comeback et que les Vitality ont vraiment troll la game topside, tout simplement. Mais derrière, effectivement, à partir du moment où ils étaient de retour dans la game, il y avait trop de frontline et la Jinx Unforgiven était intouchable. On voit 7-1-9 pour lui. Encore une grosse performance à part, mais surtout on peut noter la première, j'ai envie de dire, vraiment bonne perf de Ricker. Et c'est peut-être par là que ça passe le retour des Mad Lions. Effectivement, peut-être le déclic à 3 matchs de la fin pour Ricker. Nous verrons ce que ça donnera aujourd'hui. Le G2 contre Excel. Les Excel, eh bien, qui devaient absolument gagner, bien sûr, pour valider une victoire. Ce n'était pas pour ce match-là, très bien. C'est vrai que gagner pour valider une victoire, c'est assez obligatoire, mais c'est surtout pour valider les playoffs. My bad. Que c'était important pour les Excel. En l'occurrence, il y a aussi le mini retour, on peut dire, de Caps, qui joue vraiment bien. Bien épaulé en premier par Targamask. Ils ont eu quasiment. Je crois qu'ils étaient quasiment tous les deux sur 100% de kill participation. Ils ont énormément joué ensemble. Il y a eu pas mal de plays qui étaient très intéressants. Les G2 ont plutôt bien joué. Attention même à la phase de lane de Broken Blade, qui était le seul point noir de ce match. Sinon, globalement, on était purement et simplement au-dessus pour G2. Et le BDS Fnatic, petit naufrage de BDS dans ce match quand même, Duke, avec des Fnatic qui nous ont sorti la première Renata occidentale. Ouais, surtout bot lane, où comme souvent, les Fnatic qui sont impeccables bot. Et humanoïde parfait individuellement qui était très bon. Razor, honnêtement, un poil pas dans le ton. J'ai l'impression qu'il jouait un peu sa game de son côté. Il se faisait d'ailleurs à l'image, il mourait un peu à des moments random. Mais les BDS, on voit qu'il y a plus grand chose. Ils sont complètement dépassés par les événements. Mention spéciale à Adam, je trouve qu'il a fait une plutôt bonne lane contre un Graves topside. Donc voilà, mais c'est difficile pour les BDS. On sent qu'ils y sont plus. Ouais, effectivement, au niveau du tableau des scores, donc Rogue et Fnatic en tête du LEC, les Misfits qui peuvent toujours accéder à un top 2 potentiel. Nous verrons ce que donnera le match aujourd'hui. G2 en chasse également et solidement installé dans le top 4. Et derrière, Excel et Vitality qui cherchent toujours à valider leur place en playoff et qui sont chassés par les SK et les Mad Lions. Ah, surtout, c'est Vitality, ils avaient fait la première Super Week en 0-3. Tu peux pas faire 0-6 en double Super League. Il y a forcément une victoire. Et en plus, de toute façon, dans le pire des cas pour Vita, même si c'est pas aujourd'hui, demain, il y a Astralis. Les playoffs sont lock, quasiment sûr.
Attention, Tréton, parce que quand tu arrives contre Astralis dans un match clé en ayant peur. C'est pas la dernière game de la journée en plus, demain? Bah, si, je crois. En vrai, imagine, ils se retrouvent. Imagine la MAD qui bat. C'est quoi aujourd'hui le match de MAD C'est Astralis aussi d'ailleurs, je crois. C'est Astralis, je crois. Ouais, je crois imagine MAD bat Astralis et demain, je crois qu'ils ont BDS. Donc, c'est quand même des matchs abordables pour MAD. Si Vita perd aujourd'hui contre G2, il me semble que c'est ça le match, on se retrouve avec le dernier match du split qui décide si Vita va en playoff ou non contre la pire équipe d'Europe sur le papier mais qui est plutôt en forme à l'heure actuelle. Alors c'est G2 Rogue le dernier match de demain a priori, mais donc c'est peut-être l'avant-dernier. On verra, mais en tout cas si Vitality se retrouve dans un bourbier devant jouer contre Astray, ça peut être un peu compliqué, mais sur le papier, ah, bien sûr, large. Bien sûr, bien sûr. Mais que vaut le papier quand les genoux tremblent et que tu arrives dans le match décisif de ton Spring Split? Ah, c'est jamais facile dans ce genre de cas, Duke. Non, complètement. Mais après, effectivement, sur le papier, ils doivent se tomber. Même sur ce papier, ils n'auraient jamais dû être dans cette situation. C'est-à-dire que ce roster devait être top 2, complètement indiscutable, même pendant la saison régulière. Et ils se retrouvent à se battre pour cette place. Du coup, à partir de là, on peut se dire même jusqu'où ça peut aller. Et on verra demain. Mais a priori, sur le papier, je pense qu'ils vont gagner. Hein, mais... Et on verra aujourd'hui déjà contre les G2, bien sûr. On va parler champion un peu, un champion de cœur pour Tréton. Voilà, un des rares champions sur lequel il a été compétent lorsqu'il jouait sur la mid lane. J'ai nommé Harry, bien sûr, son OTP de cœur. Petit état des lieux de Harry qui ne gagne pas en LEC, qui a un winrate faible en général dans les top régions. Je crois que tu enchaînais sur le winrate de Tréton en solo queue. En fait. Alors, non, je ne suis pas allé jusque-là. Mais ça aurait été une bonne petite farce. À 70%. 70% actuellement. Ça aurait été une bonne petite farce à lui faire. Harry, ça ne fonctionne pas très bien pourtant en LEC et dans les grandes ligues. Le winrate, tout de même. Tréton, est-ce que tu es étonné du winrate de Harry contre Orianna? A toujours été un bon match-up historiquement pour toujours Harry. Toujours été un bon match-up pour Harry. En réalité, Leblanc, c'est un match-up qui est très difficile. C'était contre une très bonne Leblanc. Je pense que c'est complexe aussi pour une Harry. Par contre, contre Vex, c'est quasiment. Enfin, c'est pas injouable, mais c'est très complexe en termes de phase de lane. C'est très complexe en termes de phase de teamfight. Tu peux vraiment jamais les mettre ton burst comme tu le sens. Ryze, Victor, pour moi, sont les deux champions les plus prédateurs en termes de phase de lane. Très dur de lane contre ce genre de champion avec Harry. Et la réalité, c'est qu'actuellement, dans à peu près toutes les ligues, je vois trop de blind pick Harry. Alors que pour moi, c'est plutôt quelque chose que tu utilises en counter pick ou que tu utilises si ça va bien avec ta draft, si c'est bien contre la draft adverse. Et globalement, pour le coup, comme ils blind pick trop, bah, ils se font punir en phase de lane, ils se font punir derrière en teamfight et ça marche pas très très bien. Et alors, dans les champions qui marchent bien avec Harry, du coup, on a ciblé Nautilus et Karim. C'est les champions qui ont le meilleur win rate avec. Pourquoi, finalement, de votre point de vue, Duke, c'est des champions qui ont un peu la même thématique? On pourrait dire qu'Harry est go-in. Après, je pense qu'Harry est encore plus fort quand elle kite. Mais le truc, c'est comme elle n'a pas énormément de portée, c'est rare qu'elle soit dans une composition où elle doive kite. Donc, si elle doit go-in, autant qu'il y a des champions qui l'aident à go-in, qui go-in avec elle. Et Karim et Nautilus. Après, je me demande en fait si Harry est un champion fort pour jouer le mid-jungle de V2. Auquel cas, c'est bizarre que ce soit fort avec Karim, parce que ce n'est pas ce que tu veux faire avec Karim. J'avoue que ça dépend aussi, peut-être juste que les deux champions sont très forts en ce moment, tout court. Peut-être qu'Ekarim, effectivement, est juste très fort en ce moment aussi, et du coup, il carry un peu la Harry. Mais donc, ouais, plus counter-pick de ton côté, Tréton. Counter-pick et une utilisation où la phase de lane est quand même relativement faible, bien attendre le niveau 6, attendre les niveaux pour pouvoir push et décaler. Et Voli, c'est très bien, je pense, avec. Et Rakan, c'est un très très bon champion avec Harry aussi. Ouais, bah écoutez, on verra, mais en tout cas, les utilisations de Harry quand même posent des questions pour l'instant dans les top leagues, et notamment à LEC où le champion n'a pas encore gagné. Dans les autres sujets à aborder en termes de champion, on va parler de Tahmkench. Tahmkench donc qui est un peu revenu en force récemment. Tréton, ton Tahmkench. Ça aussi c'est mon champion de cœur, j'imagine. Mais écoute, Tahmkench actuellement depuis la refonte est plus agréable à jouer quand même. Plus de go-in potentiel, l'ultimate est extrêmement extrêmement fort et j'ai l'impression que les équipes ont un petit peu oublié comment jouer contre un Tahmkench. Et du coup, il y a pas mal de victoires qui sont actuellement récupérées. C'est aussi un champion qui counter pas mal de champions de la méta, typiquement Harry quand il y a un bisou, typiquement des gold cards de TF. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça empêche totalement un Thresh de jouer normalement. Et Karma qui se fait quand même fumer par Tahmkench. C'est notamment Tahmkench qui est la réponse de Kyria à Karma. C'est en LCK, je pense qu'on voit beaucoup ça. Parce que moi, j'ai pas beaucoup vu ça en Occident. Et perso... C'est en LCK surtout. Bah écoute, moi mes karmas, ils exterminent des Tahmkench, donc je pense que... Mais est-ce que tu exterminerais le Tahmkench de Kyria? Bah écoute, j'ai rentré au Q-Coréen un jour et je me ferais terminer, je pense, juste pour le plaisir. Mais en vrai de vrai, c'est surtout contre ce genre de champions-là, les champions go-in, forcément, Tahmkench est normalement censé être réputé pour être bon contre eux. Et actuellement, c'est étonnant de voir que Nautilus et Rakan, on peut le comprendre, mais Nautilus qui fonctionne contre Tahmkench, pour moi, c'est une anomalie. Anomalie, Duke, tu rejoins le point de vue de Tréton?
Ouais, après, Nautilus, peut-être aussi tu peux. Enfin, le truc, c'est que Tamken, je peux pas ulti tout le monde, quoi. Donc, si t'arrives à la fois à knock-up la cible et Tamken, et du coup, bah, Tamken, je peux pas bouger, parce que la grande force de Tamken aussi en ce moment, c'est de se replacer en plus, ce qui était moins le cas avant dans l'ancien Tamken. Je sais pas, c'est pas forcément évident à expliquer. Moi, je pense que de toute façon, Tamken est juste OP. Moi, je voyais la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, quand il a commencé à revenir, tout de suite, il m'a donné l'impression d'un champion qui était OP dans la méta, à force. Enfin, il y a des champions comme ça, avec l'expérience, tu vois que c'est ce champion-là qui, à ce moment-là, fait la différence. Et le champion, je pense, c'est vraiment très, très, très fort. Ouais, on a vu de grosses choses du côté de Tamken. Donc, le pic devrait continuer à monter en priorité, a priori, entre toutes les équipes du LEC et des Top League. On va parler maintenant de la All Pro Team potentiel, bien sûr, hein, on n'a pas encore vu dans la boule de cristal, mais on voulait parler des prétendants potentiels à leur poste au titre de meilleur joueur. Hein, voilà. Alors, quel serait votre All Pro Team, messieurs, quel serait votre Big Five en LEC? On a sélectionné, bien sûr, des représentants, donc je vais un peu quand même cadenasser vos choix, mais vous pouvez aller un peu en dehors, bien entendu. Alors, avis au niveau de nos trois prétendants pour la top lane. La top lane, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui me... Il y en a aucun qui me convainc totalement. Il faut choisir, traitons. Puisqu'il faut choisir, j'irai vers Bibi, mais il a tellement toutes les ressources de son équipe que est-ce que c'est vraiment lui qui fait la différence ou non? Au moins, il tente des choses, il joue DHA, il joue Yone. Donc pour ça, j'irai un peu vers lui. Je trouve pas que Odoamne soit particulièrement clé dans le playstyle de Rogue. Et du côté de Wunder, c'est pas non plus archi convaincant, c'est pas le grand Wunder pour le moment. Donc en top lane, pour moi, il joue beaucoup Weakside aussi. Il joue beaucoup Weakside, mais on est quand même un peu vide en Europe, je trouve. Ouais, moi je pense qu'effectivement, il n'y a pas de joueur dominant. À vrai dire, le problème, c'est qu'il y a toujours le problème. Il y a Alfari, tu peux rajouter là-dedans. Le problème, c'est qu'il ne gagne pas les games, mais individuellement, sur ses lanes, il est quand même colossal. Ouais. La semaine dernière, par exemple, il fait deux games de Camille, je crois, la semaine dernière, où il était monstrueux dessus. Mais c'est pas évident de le mettre en All Pro, mais ça se discute. En fait, il y a Alfari qui smash ses lanes, pas toujours avec de l'aide, mais juste c'est un peu la machine. Broken Blade qui a beaucoup d'aide, mais il ne le traduit pas toujours de la meilleure des manières. Il y a des moments où il y a quelques faux pas. Et ensuite, tu as Odo qui est pour le coup full weak side, un peu comme Mundo, mais pour le coup, il fait très bien son boulot. Moi, j'aurais tendance à le mettre à Odo. Et au-delà du fait que j'adore le joueur, mais je pense que c'est celui qui remplit le mieux la tâche qu'on lui donne dans son équipe. Et voilà, parce que les autres, ils ont un peu des problèmes. On pourrait complètement comparer le top laner LFL. C'est-à-dire que t'as Broken Blade qui a le profil de Cabochard, mais sans le hard carry du mid-game qui a Cabo en ce moment. T'as Alfari qui est un peu Ziganda, qui stompe ses lanes en 1v1, mais derrière, en mid-game, ça c'est un petit peu loupé. Derrière, t'as Odo qui a plus être un chachi, tu vois, qui neutralise son adversaire. Ouais. Ah, écoutez, voilà, en fait, vous avez votre propre avis, n'hésitez pas à en débattre dans le chat, bien sûr. C'est pour les modos, ça, petit débat, sur la top lane. Au niveau de la jungle, quels sont nos prétendants? Eh bien, on a essayé de s'arrêter sur deux joueurs, Malrang et Selfmade. T'en aurais vu un troisième potentiellement, très tôt? Non, il y a eu un moment où Razor commence à faire des belles performances, mais son tout début split, c'est pas convaincant. Là, il commence à pas faire des games non plus fofolle. Donc, il y a peut-être Razor qui, je pense, pourrait être dans le top 3. Ouais, potentiellement. Mais globalement, pour moi, il n'y a pas d'autres joueurs qui méritent de la présence ici. Et c'est vraiment Malrang et Selfmade qui sont, de mon point de vue, les meilleurs. Et Selfmade, pour les play clutch qu'il fait, j'aurais tendance à aller plus vers lui personnellement. Parce qu'encore une fois, Malrang, le truc, c'est que si tu prends le contexte, il joue dans une équipe où toutes les lanes gagnent très facilement, ouais. Ce qui n'est pas le cas de Selfmade. C'est vrai, on est d'accord à ce niveau. Pour la mid lane, alors nos prétendants, bon, bien sûr, on a VTO, on a Humanoid, on a glissé Larsen également. Duke, avis sur ce top 3, et quel serait ton choix? Franchement, mon choix va être VTO, parce qu'il a tellement fait de place clutch et il est le MVP un peu au sens du MVP originel, du joueur le plus important de son équipe. Sans lui, Misfit n'existe pas. Après, le meilleur mid laner ce split, c'est peut-être Humanoid. C'est très serré, je trouve, entre les trois, vraiment, parce que Larsen fait un super split aussi. Ouais. C'est vraiment très serré. Moi, je voterais VTO. Peut-être que c'est mon chauvinisme qui parle un peu, mais pour le côté plus éclatant, je dirais, de ses performances. On peut être chauvin, il n'y a pas de problème, Duke. On va parler des AD carry maintenant. Au niveau des ADC, Patrick, Upset, Comp, notre top 3, Tréton. Qu'est-ce que tu sélectionnes? Upset de très loin. C'est le meilleur ADC vraiment de loin. Il meurt très très peu, il fait plus que bien son boulot. Après, il y a aussi le meilleur support, je pense, avec lui, de très loin. Mais c'est la meilleure botlane, et pour moi, Upset, Chili Sang, c'est le combo gagnant pour l'All Pro Team. J'aurais mis Upset et
potentiellement presque deuxième. J'aurais peut-être mis Unforgiven, que je trouve vraiment, moi je le trouve trop fort à chaque fois que je le vois. Okay, okay. Peut-être qu'il a pas eu un peu moins sur la fin du split, et encore hier il était énorme. C'est qu'il a Kaiser, tu vois. Ouais, mais dans ce cas-là, enfin c'est pareil. Oui, mais genre, on a plein de bons supports en Europe. Oui, toujours. Oui, non, mais oui, mais alors du côté de. Il a de bon je suis d'accord, mais quand tu vois la différence entre Karzi avec et sans Kaiser. Eh ben, ça fait poser question, tu vois. Sauf que moi, je trouve, alors que Mad sont beaucoup moins bons qu'avant, je trouve Unforgiven plus impressionnant que l'était Karzi avec Kaiser, tu vois. Ça dépend un petit peu de game. Mais je suis d'accord, Unforgiven joue très bien, tu vois. Après, je pense pas qu'il joue mieux que Patrick et Comp. Je sais pas. En tout cas, toujours est-il que moi, je mettrais upset, je suis d'accord avec Triton, mais d'une tête, quoi, largement. Ouais. Et alors justement, on a beaucoup parlé des supports. Bon, il semblerait quand même que Illisang fasse l'unanimité. Mais tout de même, on a mis Trimby à côté de lui et Targu. Voilà, qui fait un bon split, qui explose pas non plus tout, mais il a quand même quelques grosses games références, traitons. Écoute, pour moi, c'est le top 3 relativement logique. C'est normal qu'on soit un peu puni du côté de Kaiser par rapport aux années précédentes qu'il a fait. On l'attendait encore plus fort, on l'attendait plus dominant. Yep. Ce n'est pas le cas, et bah, là, d'assez loin aussi, pour moi, c'est Illisang, parce qu'être capable de blind pick, avec le niveau des supports actuellement, blind pick des pikes et 1v9 des games, c'est totalement illégal. Donc, Illisang est largement au-dessus. Ouais, Illisang énorme, Duke, même avis. Complètement, même avis. Je trouve Trimby fait un super split. J'étais pas le plus convaincu. C'était Tréton, le Trimby oui, fanboy. Il n'y a pas de Labrov du coup dans le top 3. C'est Labrov qui a été noté S top 3 support. Pas par toi du coup, t'étais cool. Bah, mais par ce monsieur là-bas. Je l'ai peut-être fait dans mon classement, je sais plus. Mais je pensais Labrov. Moi, c'est un peu mal, effectivement, ma déception de ce côté-là. Ouais. Écoute l'expertise de Tréton sur les supports. Trop fort Tréton sur les supports. Hein. Faut quand même remonter Challenger, monsieur. Hein. C'est important. On va parler du planning maintenant. Donc, un planning extrêmement intéressant. On commence par le SK Excel, bataille pour les playoffs d'entrée de jeu. Les Excel, s'ils valident cette victoire, valident leur place en playoffs. Mad Lions contre Astralis, pareil, les Mad, s'ils veulent croire dans leur toute petite étoile, eh bien, il faudra battre justement l'astre... T'as vraiment tenté, t'avais plus rien, t'étais vide. L'Astralis, mais ça... Les Astralis aussi, tu peux le faire. Les Astralis, ouais, pourquoi pas. Ça fonctionne aussi, c'est vrai que ça... Normalement, ça devrait être fait assez facilement pour les Mad au vu du niveau montré hier. Ouais, on va voir. Le BDS contre Rogue, attention, BDS, bon, qui n'a plus rien à jouer, les Rogue veulent toujours obtenir cette première place. Et les BDS, hier, on a eu dans le post-game lobby Grabs, qui a quand même tiré à vue sur ses joueurs. L'ambiance n'a pas l'air d'être au top dans l'effectif des BDS. Je ne sais pas trop quel visage ils vont montrer aujourd'hui face au Rogue. Le Misfits contre Fnatic, un match qui peut être important, bien entendu. Misfits cherche toujours à aller plus haut, mais Fnatic est quand même grand favori. Et le Vitality G2, Duke, attention pour les Vitality, c'est un gros match. Encore une fois, on n'a pas encore validé sa place en playoff. Non, c'est sûr, et ça va être... On les voyait largement en playoff, mais c'est juste que s'ils perdent contre G2, ils se forcent à faire un match contre Astralis qui normalement devrait être une promenade de santé, mais qui serait potentiellement un match archi dangereux qui leur coûte la saison quasiment. Donc le match, s'ils pouvaient se rassurer contre G2 et valider leur ticket, ouais, je pense que ça leur ferait du bien. Et ce sera sur scène, donc un tout petit peu plus de pression, un peu moins de confort. On attend de voir ce que ça va donner, mais ça va être un match très important. On a essayé de se pencher sur deux rencontres, justement. Alors, cette dernière entre Vitality et G2, mais d'abord le SK contre Excel, puisque ce sont deux prétendants directs pour les playoffs. Excel est en ballotage favorable, bien sûr, au niveau du classement. Mais les SK ont Godgillus. Les SK ont Godgillus et on a décidé de retracer son parcours de Miracle Run, justement de se replonger dans cette histoire fantastique des comebacks de Gillus, mais sur retour au Summer Split 2020 et à cette dernière Super Week où justement Godgillus va chercher les 3 victoires sur les 3 matchs. On va voir que c'est une tendance justement du côté de Gillus, des Super Week. Alors on voit en plus à l'époque on jouait contre Fnatic, contre Vitality, contre Mad Lions, donc pas forcément un agenda facile. Autre miracle run, celui du Spring 2021, où une nouvelle fois traitons Super Week à 3-0 du côté de Godgillus. C'est dans ses gènes. C'est dans ses gènes, en effet. C'est la machine. Lui-même le disait, en plus, avec des gros matchs encore, parce qu'il y a quand même Fnatic qui a été battu. Vita Excel, à cette époque-là, c'était pas non plus des énormes matchs en termes de Super Week, mais quand même Gillus, qui a ça dans les gènes, en effet, qui en interview disait « Je suis en mode machine, c'est mon moment », qui a joué un Lee Sin convaincant hier, alors qu'on ne l'attendait pas sur ce genre de champion. Donc à voir, surtout que ça a l'air de plutôt bien suivre du côté d'Aska, surtout du côté de la mid lane. Je trouve que Sertus est bien plus convaincant qu'au début du split et il aide bien Gillus à snowball ses matchs. Duke, t'as connu des joueurs comme ça qui étaient galvanisés lorsque la situation était difficile, quasiment désespérée? Non, pas à ce point. En fait, ce qui est fantastique avec Gillus, c'est qu'il n'a pas toujours été excellent, Gillus.
il a des moments comme ça, mais du coup, eh ben, il n'est pas toujours extrêmement pris au sérieux quand il se survend tout le temps. Mais le truc, c'est, la réalité, c'est qu'il fait de l'auto-persuasion monstrueuse. Et il arrive dans ces moments-là, et effectivement, c'est comme s'il était habité, quoi, le mec. Et moi, ça me fait grave plaisir. Parce qu'en vrai, le mec est super sympa, Gilius, même s'il joue un peu le clown comme ça. En plus, non, il a un peu d'expérience. C'est plus sa première année, il commence à être un peu plus mature. Et le mec est super sympa, ça fait vraiment plaisir à chaque fois de le voir perf comme ça. Donc, franchement, moi, les SK, j'espère. Enfin, c'est pareil, c'est quasi impossible, quasi mission impossible, ça dépend pas d'eux, mais ça me ferait marrer de voir Gilius encore une fois faire ça, quoi. Ouais, peut-être le réussir, on va voir. En tout cas 1 sur 3 pour l'instant dans cette Super Week du LEC pour les SK Gaming, et pour le plaisir des yeux, on se remet le play gagnant, le play rageur de Gilius avec son kick de Lee Sin justement sur 3 joueurs ici. Regardez ça, hop, il se pise dans la backline, paf. Clean, hein. En plus, c'est sur comp, sur la DC adverse, donc c'est vraiment. Pour le coup, il pouvait pas faire mieux dans son teamfight. D'ailleurs, il sort par la corniche, il joue vraiment bien le coup. Il a été sous-estimé, et même dès l'early game, il y a eu des petits kicks qui sont partis sur l'arsène. Donc écoute, on va voir ce que ça a donné pour Gilius, mais techniquement, le plus dur est derrière eux, parce que le plus dur dans la Super Week, c'était quand même Rogue. Ouais, on est d'accord à ce niveau. Petit match-up entre Gilius et Markoun dans cette rencontre. Markoun qui monte en puissance quand même sur ce split. Un avis rapide, Duke, sur ce versus. Markoun, plus jeune, mais voilà, face à l'ADN plein de miracle run de Gilius, a-t-il une chance aujourd'hui ? Oui, largement, ils sont encore une fois favoris. Les deux sont des gros gankers en général, qui se sacrifient pas mal. Les stats ne sont pas à l'avantage de God Gilius. Oui, mais ça, c'est pas ses stats de Miracle Run. Le DPM, ouais. Le DPM des deux, c'est low. C'est très, très low pour les deux joueurs quand même. C'est vraiment des joueurs qui font pas beaucoup de dégâts pour leur équipe, mais qui vont plutôt servir en early game. Par contre, en early game, ils sont plutôt présents. On est d'accord. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler de SK Gaming sans parler de Jésus. Jésus qui s'est coupé les cheveux récemment et qui, eh bien, a beaucoup plus d'impact, on le voit au niveau de ses stats, ça monte quand même d'un cran. Hier, il a été très bon, Tréton. Oui, il a pris un 1v1 notamment, il a vraiment plutôt bien joué dans sa partie. Après, à voir, je trouve que l'association avec Tritz marche quand même beaucoup moins bien dans le 2v2 par rapport à avant. Et on revoit d'ailleurs le 1v1 face à Gomp où il a totalement séché en réalité. Le flash sur l'ultimate est parfait, le zap est parfait, et il prédit que le flash slash Gomp flash pas très bien et du coup la roquette connecte. Donc écoute, un 1v1 stylé, un GG en forme, à voir ce que ça va donner, surtout que Sertus aussi, encore une fois, pour moi, est pas mal monté en puissance, et Genax est le rock solide de cette équipe. Ouais, on est d'accord à ce niveau. Alors voilà, vous avez l'état des lieux du côté des SK, Gilius et sa capacité fantastique à nous proposer des miracle runs. Et justement, j'avais envie de revenir également sur la capacité indécente des XL à ne pas accéder aux playoffs, notamment dans ces dernières semaines. Donc, petit tour d'horizon du côté des XL, notamment pour voir, messieurs, est-ce que c'est la meilleure version de Excel qu'on ait jamais vue ? La réponse statistiquement est oui, Duke. Oui, et puis très largement la meilleure version, parce que là on est quand même sur un roster tout à fait solide sur le papier, parce que les autres années il y avait parfois quelques bons joueurs, c'était un peu Patrick et ses potes, quoi. Mais c'était pas non plus. Ils n'attendaient pas toujours Patrick. Ils n'attendaient clairement pas toujours Patrick. Effectivement, c'est une très très bonne blague, bien vu, mon cher Chips, et tu m'as l'air tout à fait satisfait de cette blague. Mais maintenant il y a quand même un gros roster. Tu prends donc la botlane Mickey, Patrick, c'est lourd. Ils ont trouvé un bon rookie, Markoun, Nuke Duck. Alors bon, ça fait longtemps qu'il est là, mais il a jamais été aussi en forme dans les trois dernières années, je dirais. Honnêtement, il est bon en ce moment, il est même bon. Et Finn qui revient bien et qui à l'époque était très hype, c'est juste que ça avait un petit peu loupé à ses débuts chez Rogue. Et encore, il est quand même allé au World. Pour les débuts de Finn, en réalité, on se souvient beaucoup des Worlds, mais la réalité, c'est que c'est quand même un joueur. C'était fine. Mais c'était un peu le point faible de l'équipe, oui. Et du coup, dans une équipe qui marchait très bien. Ouais. Mais voilà, Finn reste un bon joueur, honnêtement, et avec la maturité, il a aussi un super mindset. Et du coup, très très bon en ce moment, Excel. Et on voit le bilan des fins de split et des Super Weeks de Excel, hein, qui n'est pas au niveau de celui de God Gilius, même si là voilà, ils avaient eu ces deux victoires contre G2 Rogue, c'était pas si loin. Et justement, ils perdent probablement contre God Gilius. Oui, oui, c'est ça, exactement. Et là, on revoit une nouvelle fois une Super Week qui est pas terrible de leur côté au Summer 2021. Ils échouent finalement à se qualifier, mais c'est vraiment l'histoire. Après cette Super Week aussi, Rogue G2, c'est dur. D'accord, mais voilà, mais là ils jouent un concurrent direct, ils jouent Fnatic, donc une nouvelle fois la Super Week de Excel semble difficile. En vrai, c'est maintenant. C'est aujourd'hui qu'ils doivent passer. C'est aujourd'hui qu'ils doivent passer, parce que demain, Fnatic, t'as vraiment pas envie d'avoir la pression sur un match contre Fnatic. Et t'as envie d'avoir quand même au moins la satisfaction d'être passé en playoff.
de par tes propres perfs, oui, et pas parce que les autres derrière ont raté. Exactement, exactement. Mais vous avez l'ambiance du coup pour ce premier match de la journée, ça va être tendu. Les deux équipes, les Excel doivent battre leur malédiction et les Aegilus jouent avec bien sûr sa bénédiction des Miracle Run sur les Super Week. On parle maintenant de G2 contre Vitality, match très important bien sûr pour les Vita qui veulent absolument valider cette place en playoff. Mais côté G2, eh bien, est-ce que c'est le retour de Claps ? Messieurs, voilà, je pose la question. Sur ces deux dernières games, on voit quand même un grand changement par rapport à son début de saison. Est-ce qu'il est de retour, Tréton ? Écoute, déjà, sur deux dernières games, il fait des performances au-dessus de la plupart des midlaners en Europe, même sur les meilleurs perfs du split, donc ça fait plaisir. On voit qu'il a toujours ça en lui. Maintenant, c'est pas en deux games que je me hype. On va rester calme et on attend. Mais après, si Caps peut avoir ce niveau de forme-là au play-off, ce serait très très bon pour G2. Et là, on revoit ses stats des deux dernières games par rapport à ses stats générales de 2020 et 2019. Duke, je sais que voilà, on en rajoute, mais est-il de retour ou bien faut-il doser ? Faut doser pour l'instant, mais effectivement, les deux dernières games étaient excellentes et G2 ont besoin de Caps. G2 ne seront jamais à la hauteur de leurs ambitions si Caps n'est pas à son top niveau. Et si G2 veut aller chercher quelque chose en Europe, ce split, pour moi, c'est avec le Caps des deux derniers jours. Eh bien, écoutez, on va voir si la tendance se poursuit, bien sûr. Et je pense que personne ne boude du côté du LEC, du côté des spectateurs, lorsqu'on voit un grand Claps. Chez les Vitality, j'avais envie de faire un petit bilan sur l'accession aux playoffs en général de ces joueurs pour bien vous montrer qu'en général, ce sont des joueurs qui loupent très peu les playoffs, mis à part Labrov, bien sûr, qui de son côté a une situation assez spéciale. Mais Perks, Karzy n'ont jamais loupé des playoffs de leur histoire, Tréton. Selfmade les a peu loupés également. Alfari, deux splits loupés avec Origen. Mais à part ça, ce sont des grands habitués des playoffs. Oui, c'est des grands habitués des playoffs. C'est même des habitués à aller gagner potentiellement ces playoffs ou aller au moins jusqu'en finale ou demi-finale. Donc c'est que des très très grands joueurs et c'est pour ça qu'on s'attend à ce qu'ils fassent quand même une bonne AR Super Week et se qualifient pour Perks contre Caps en playoffs. Ce serait pas mal pour l'histoire. Ce serait bien, effectivement. Duke, quand on voit ça, on se dit que l'expérience quand même devrait jouer en faveur de Vita, encore une fois. Ah oui, parce que je disais tout à l'heure, cette line-up, c'est même pas pensable qu'elle ne fasse pas play-off sur le papier. C'est que des joueurs qui sont même pas là. Enfin, la question ne devrait pas se poser. Ils sont là pour les gagner, en fait, sur tous les play-offs. Et je pense que le truc, c'est que s'ils vont en play-off, ils peuvent espérer les gagner. Ils peuvent sans doute. On verra, mais ils devraient sans doute passer, a priori, par le lower bracket, effectivement. Le lower, j'avais plus le mot, donc on verra. Alors, du côté de Vitality, j'avais envie de discuter un peu aussi de Alfari. Alfari qui, quand on regarde son bilan en termes de champion, messieurs, il y a quelque chose qu'on constate en regardant son historique, c'est que il est toujours sur les mêmes champions que par le passé, mais il évolue pas, notamment avec d'autres champions qui sont beaucoup plus pratiqués, type Gwen, Akali, on a vu même des Trinda, de la Irelia sur ce split, mais c'est pas du tout des champions sur lesquels il s'engage, Tréton. Ouais, Est-ce que c'est pas un produit fini finalement, Alfari, qui n'évolue pas tellement ? C'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir sur au moins Gwen, Trinda, on le voit peu aussi sur Gnar, c'est des champions qui sont quand même super jouables dans la méta. À voir pour Alfari, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où il se repose un peu sur ses acquis. De toute façon, il est au-dessus de tout le monde en réalité en termes de phase de lane. Il n'a pas forcément besoin d'aller se pousser. Mais c'est vrai que de voir au moins des nouveaux champions côté Alfari, ça ferait plaisir et ça ferait du bien au Vitality en termes de draft. T'en penses quoi, Duke, toi, de cette situation ? Parce qu'encore une fois, quand tu regardes son historique de champion all-time, il évolue pas vraiment. Et voilà, on prend pas en main les Gwen, les Akali, ce genre de picks qui font la différence actuellement. Non, c'est sûr. Je pense qu'il veut vraiment des champions qui soient en mesure de stomp la lane ou de hard speed push avec Camille. Mais le problème de Alfari, de toute façon, c'est je pense que c'est peut-être plus une. Alors, en vrai, moi, dans les games que j'ai regardées il y a pas longtemps, je le trouvais pas mauvais. Sauf sur un. Après, il y avait juste une game où justement la game où j'avais fait une loop avec Rogue où on voit que c'est toujours les Rogues qui sont en mesure d'engage et pas trop Alfari. Alors c'est justement lui qui doit essayer de créer du jeu avec sa Camille. Moi je pense que Alfari, le problème c'est sa transition en mid-game, quel que soit le champion, et ça a toujours été son problème, c'est qu'il veut peut-être au bout de trop continuer sa phase de lane, continuer de farm, continuer de split push, et il y a un moment il faut gagner la game quoi. Ouais. Et son match-up contre Broken Blade risque d'être très intéressant parce que Bibi a tendance à jouer des champions carry, Alfari stomp ses lanes, donc ça devrait être très, très mouvementé a priori sur la top lane. Mesdames, messieurs, il est temps de passer au match SK contre Excel d'entrée de jeu. Très gros banger pour commencer cette journée. C'est juste après l'introduction, bien sûr. À tout de suite.
Et bonjour à tous, rebonjour. On est parti pour les deux derniers matchs de chacune de ces équipes avec deux places de play-off encore à confirmer et un match extrêmement important. Les remontadas incroyables de Gilus, est-ce qu'on y croit, Tréton ? Bah oui, on y croit. Après la game, après tout, ils ont battu Rogue. Pourquoi pas battre Excel ? Tout semble possible. Les Excel qui n'ont pas montré un niveau de jeu incroyable justement hier. À voir ce que ça va donner. Et en réalité, au-delà du fait qu'il y a Jésus, au-delà du fait qu'il y a Gilius, qu'on ait de la sympathie pour ces joueurs, ne serait-ce que pour le suspense de la dernière journée, on aimerait une victoire à SK Gaming. Complètement, complètement, pour qu'on ait le suspense jusqu'au bout. Et est-ce que ça arrangerait les Vitality, cette histoire ? Pas forcément, on ne sait jamais. Les Vitality vont surtout regarder SK et Mad Lions, ouais. C'est possible ou non de comeback. Donc en réalité, pour Vitality, si Vitality veut se qualifier en playoff sans même remporter une game, il faut gagner. Non, en soi, il faut juste que SK Gaming et Mad Lions drop une game et c'est bon. C'est vrai, ça marche aussi. C'est mieux en gagnant. Mais après, contre G2, c'est pas si simple de gagner. En tout cas, on est parti dans la draft, on a retiré la Zeri, mais il reste Aphelios et Jinx. Ouais. Forcément, on va se jeter dessus pour Patrick. Jinx, alors qu'est-ce qu'on a du côté de Jésus en réponse ? Alors, la Camille aussi dans la draft, bien sûr, on n'y croit pas. Oh, c'est différent. C'est un peu différent, je sais pas si. On n'a pas trop l'habitude en red side de voir des Caitlyn. Mmh. On les voit plutôt en blue side pour pouvoir en plus mettre de la pression avec le jungler. Et comme on n'a pas l'habitude, on va plutôt prendre du Aphelios qui est bien plus classique et directement Instalock le Lee Sin de Gilius. God Gilius. Forcément, le Hecarim est ban. C'est bien un ban à faire en ce moment contre God Gilius. C'est ça, on a vu ses early games. Alors, pas forcément toujours très bien suivi dans le mid game, mais en early game, God Gilius fait la diff. Il faudra s'attendre à un gank avant les trois premiers niveaux. Alors, on espère un gank tôt pour Gilius. Après, je t'avoue que moi, je l'aurais plus vu sur Voli. Parce que pour moi, Voli, c'est un champion qui va parfaitement. Et en tout cas, la réponse de Markoun est très bonne. C'est un Viego. Et sur Viego, Markoun, il a le permis. Complètement. Alors, est-ce qu'on lock le support Nautilus, Thresh, Nautilus. C'est un Ryze pour le canard. Très agressif sur la mid lane. Il y a le TF, si on veut répondre, du côté de Certus en soi. En vrai, TF et Ryze pas ban, c'est assez rare. Ouais. En LEC pour le souligner. Complètement. Donc, effectivement, est-ce qu'on joue le TF hein, ou alors on se garde un choix de la mid lane pour plus tard et on va plutôt appuyer effectivement sur les match-up bot. En vrai, avoir TF maintenant avec Lee Sin, c'est une très bonne synergie. Et derrière, tu as un counter-pick parce que tu as un red set sur la top lane. Donc, tu as une lane sur laquelle jouer. Honnêtement, le TF ici est somptueux. Il peut choisir un match-up plus dominant. Voilà, Orianna. C'était un peu bon. C'était une bonne alternative. C'est pas du tout dans la même optique. Forcément, ici, on préfère tous Twisted Fate parce que ça peut amener sur la carte. Après, purement dans le 1v1, l'Orianna va éclater le Ryze. L'Orianna a le push. L'Orianna met de la pression. D'ailleurs, on a vu Sertus hier qui a joué Ryze contre Orianna. En early game, il s'est fait un petit peu bouger. Mais derrière, on a vu que les Fashion Cage fonctionnaient très très bien. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, en termes de teamfight, on a des gaming qui sont déjà parés à l'attaque. Ouais, alors on a peur de cette Yumi dans les mains de Mikix, sachant qu'on n'aura probablement pas le counter pick support, donc on va s'éviter des horreurs qu'on pourra peut-être pas punir. Mikix qui a joué d'ailleurs la Yumi hier sans succès malheureusement, mais je comprends. Même si ça marche pas, t'as pas envie de jouer en face. Oui, il faut retirer ce. Tu point. Sais jamais s'il est sur une petite erreur bot lane, tu sais jamais ce qui va se passer. Et tu t'as si vite fait de te retrouver contre Akali Yumi et perdre une partie qui était gagnée à 10 000, plus de 10k gold. Ah, mais ça me rappelle quelque chose, ça c'est étonnant. C'était sûrement de la solo queue, je pense que ouais, 10k gold d'avance non, c'est. Akali Yumi c'était toujours solo queue. 13k 100. Oui, t'arrives pas, c'est qu'en solo queue. Oui, à 17 minutes ouais. En plus. Ouais, donc, voilà. Ça n'arrive pas en LEC, une ligue qui a un bien trop haut niveau pour cela. Et on va ban le Nautilus, Rakan qui a été aussi retiré. Écoute, il y a un Thresh qui me semble pas mal du tout. Pour moi, le ban. Rakan, il y a une volonté de Tamkench aussi peut-être, mm-hmm. Du côté de Mikix, qui dans ses belles années G2 a spammé le champion. C'est vrai qu'il avait beaucoup joué. Et... Alors c'était pas du tout le même champion, et il l'avait spammé. Il s'en plaignait. Hein. Ouais. Il aimait pas spammer le Tamkench, c'était pas son problème. C'est plus le même. C'est plus le même, il est plus agressif, il a un bump, donc à voir du côté de Mikix si on aime maintenant le Tamkench ou non. En tout cas, pour Excel, on n'aime pas la Irelia, on la retire. On ne veut pas de counter pick Irelia sur Jhenax. Ouais. Ça sent bon le Gnar Tamkench pour finir. C'est très possible. Un petit truc comme ça dans le pour Excel. Alors du coup comment on anticipe avec le pick probablement du support, ce sera un Thresh pour Tritz. Mais c'est parfait Tamkench. C'est parfait. C'est absolument parfait. Oh. Et blind c'est pas la même. C'est pas la même. Un blind pick Renata. On vous rappelle Renata, la phase de lane, tu peux te faire abuse. Tu peux te faire abuse. Maintenant je suis analyste de grande qualité. Vas-y. J'ai joué Renata. Oui. Et contre Viego c'est extrêmement fort. Parce que du coup Viego n'a pas son reset. C'est vrai.
Et donc pour un Viego, ça change toutes les mécaniques. Pour Markoun, prendre ses resets, c'est très compliqué contre Renata en réalité. Donc je peux comprendre le pick. Maintenant, le blind, ça c'est osé. Ah, c'est le moment où tu manges un blitz en face, un truc un peu crasseux. Ah, je pense que par exemple, s'il joue Karma, en lane, tu l'extermines. Tu la mets sous tourelle de la Renata, elle ne peut strictement rien faire. Tu veux jouer un enchanteur, tu peux. Je suis pas convaincu par ce trait, je vois, tu punis pas spécialement. Alors tu peux aller chercher des flèches, tu peux aller chercher des grabs, mais tout de même ça a une range, elle a la mobilité Renata. Donc moi je suis pas convaincu. Ça manque tout de même un peu de mobilité, je vais pas te mentir. Le time catch était vraiment pas mal, tu peux agresser, t'es pas spécialement en danger. T'as une protection qui est plutôt agréable, je pense, contre une shockwave et cette éventuelle Camille pour Jhenax. On va voir ce que ça va donner. C'est plus lane dominant, c'est pour du snowball aussi. Écoute-moi, un pick de trèche, on le voit pas souvent, donc je suis content de le voir sur mes kicks qui pratique bien le champion. On va voir pour le match-up, je le connais pas totalement. Je pense que trèche aura de toute façon l'avantage, surtout avec une Jinx. Il aura le oui, de toute façon, Renata, c'est quand même un peu garbage fire en face de lane. À part son Z, elle a pas grand-chose. Oui, elle a pas grand-chose du tout, la pauvre Renata. Les petits missiles font pas tant de dégâts que cela. Et le grab, de jeter un allié sur son allié, ça fait pas une différence fondamentale. Le problème du grab, c'est que comme il passe pas au travers des creeps et qu'il a une range très courte, en face de lane, contre Jinx trèche, c'est pas vraiment une menace, quoi. Et le Graves au passage pour Jhenax. Bon, le match-up Graves-Gnar, on l'a vu énormément de fois, c'est pas très ambitieux, mais non. Ça fonctionne. Non, mais Excel qui a une draft parfaitement conventionnelle, avec effectivement du scaling, on va pouvoir roamer, on a un bon jeu en side lane, ça manque probablement un peu d'engage, mais on a une très belle range. Cependant, attention, voilà, pas d'engage, un Ryze en face d'une Orianna et d'un Aphelios. Comment on va pouvoir faire pour ce Ryze? J'attends encore de savoir. Ouais, on attend de voir du côté, il va falloir être un peu créatif. Côté XL. Sachant que la frontlane, c'est un Gnar qui est censé flank. Donc la frontlane, finalement, c'est un trèche. C'est pas une frontlane, un trèche. Donc c'est pour ça comment on va avancer. Après, maintenant, c'est vrai que le Ryze, c'est un tank en lui-même. Le Ryze, c'est un tank en lui-même quelque part. C'est vrai que ça a changé un petit peu en termes de build. Après, la composition 1-3-1 côté XL est quand même extrêmement forte. Puisque qui va empêcher ce Gnar et ce Ryze, ce split push, d'aller très très loin sur les sides? Sur le papier, ça va être le travail de Jhenax. Donc il faudra une grosse game de Graves. En termes de regroupement, tout de même, on voit l'SK Gaming un petit peu devant et très curieux de voir ce que Gilius va faire avec son Lee Sin. Hier, il a été bon. Il se retrouve contre Markoun dans un match-up skillé. Est-ce qu'il est capable d'emmener son équipe dans un 3-0 de Super Week? Au moins, s'il les amène à 20 minutes de jeu et qu'a fait Los Renata, je pense qu'il les amène vers la victoire. C'est pas faux. C'est vrai que ça peut suffire. Ça peut être un Renata Orianna Aphelios. Le Aphelios, au bout d'un moment, il a ses chakras, il flashine au milieu. Hein. Ah, le skilling est costaud. Le skilling est très costaud. Et même pour un Graves. Hein. Le Graves aussi, il peut totalement dashing. Oui, tac. Non, c'est... Le sort est tellement broken. Et même l'ultimate sur les phases de combat est aussi très très fort. Je suis très curieux de voir comment on va le jouer. Surtout que Tritz, pour moi, est un support qui joue très, de manière très proactive. Le problème, c'est que jouer de manière proactive avec Renata, c'est pas trop possible. Tu dois jouer en réponse. Oui. Oui, il a bien roamé, parfois à tort justement, parfois il fait des roamings, les petits roamings qu'il a l'habitude de faire avec Leona sans avoir forcément une prio où il se fait pick up dans la rivière. Tu fais ça avec Renata, ah, ça marche pas. Finito pipo. Ça marche pas du tout, il faut vraiment réussir à créer du warding, à créer de l'espace, à forcer l'équipe adverse à engage. On va voir si on est capable, en tout cas c'est pas du tout dans le playstyle de base d'un Tritz. On va voir, et bien justement, pendant qu'on rentre dans cette première game de cette avant-dernière journée de LS, après 2 semaines de pause avant les playoffs. C'est vrai qu'on n'aura pas de LEC pendant 2 semaines, non. C'est triste. Mais on va avoir les playoffs LFL, donc ça compense. Ça compense totalement. Et après, il y a le MSI, après les The Masters, enfin bref, il y a tellement de choses qui arrivent. Trop de choses. Et écoute, en termes de start, je ne vois rien de spécial pour Tritz, hein, qui joue Guardian Exhaust. Oh, Guardian, tu peux jouer Airy. Non, tu peux quand même. Non, par contre, Tritz. Guardian, c'est très bien. Et du coup, écoute, est-ce que Mikix va être capable d'abuser de cette Renata? On joue Glacial, évidemment, avec le Tresh. Avec les flays, normalement, ça peut... Un grab, un flay, oui, ça peut marcher. Après, voilà, le truc, c'est qu'en termes de DPS, Tresh amène pas non plus énormément. Là où on peut faire un focus sur Jinx avec Aphelios Renata avec les bonnes armes. Donc je pense qu'en fait, même si on a le push en early game, dans un vrai gros trade, s'il y a un contrôle qui est raté pour Mikix, c'est terminé. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Très curieux en tout cas de voir ce qu'on a préparé pour Tritz, parce que Blendpix ce champion, c'est quand même extrêmement osé, voire peut-être trop osé honnêtement. Et les XL qui vont démarrer topside, pareil pour Gilius qui va démarrer sans pool tel un Chad. Ouais, oh, pour arriver vers le bot side, petite prise d'information et la première roquette sur Jésus. Et voilà, on sait que Gilius est sur le top. On sait que Gilius est sur la top 1 en effet, on sait que la SK Gaming avait prévu un fake pool, donc pour cacher un petit peu
le démarrage de Gilius, il a peut-être une idée derrière la tête, un niveau 3 rapide avec son Lee Sin et un gank. C'est ce qu'on attend. Ouais, mais la stratégie est avant. Mais c'est tellement Gilius style en même temps de venir. Tu fais ton. Voilà, tu fais. Le raid, les Corbins, un troisième camp, et après tu gonges direct au bot. Hein. Mais pas de ça pour Gilius. On va voir ce qu'il va essayer de faire pendant que Sertus. Normalement, lui, on attend de la priorité hein, de cette arena. On attend une belle phase de lane, ce qui va peut-être un petit peu manquer à Sertus dans ce split. On l'a pas vu super dominant. Ce serait bien de le voir dominant avec un match-up choisi ici contre le reste de Nukeduck. C'est un bon test pour lui. Complètement. Et voilà, le push récupéré avec le niveau 2. On va respecter du côté de la duo lane et Sky Gaming. Bon, le top side, on va pas trop en parler. Il n'y a pas grand-chose à en dire, je pense. Surtout, on en a déjà tellement parlé de ce match-up. J'avoue que Nargreaves, Aphelios Jinx. Bon. Ah, on arrive à la fin de la méta. C'est... Ouais, on en a marre là. Il faut un patch là. Parce que ça fait deux patchs d'affilée, que Riot Games change absolument rien. Le prochain, il faut chambouler. Je sais pas si ça va beaucoup dévier avant le MSI, peut-être un peu. Ouais, la dernière fois, le MSI, il y avait quand même une méta où c'était Rumble et Mora Jungle juste pour le MSI. C'est vrai. Donc, alors peut-être pas partir jusque là, Riot, mais tu vois, changer un petit peu les choses alors que le hook de Mikis ne va pas connecter. Celui de Triss lui, par contre, passe très bien et Jésus prend un bon trade sur Patrick. Très bon trade. Et ça va permettre de jouer beaucoup plus agressif. Justement, parce qu'on va pas pouvoir trade back du côté de l'Excel, il faut respecter, on claque les potions. Et l'arrivée de Gilius ne devrait pas trop tarder, on sera au même endroit côté Markoun. Avec la Priomide pour le Rise, c'est dommage. C'est assez logique en soi, le rebond. Il burn sa mana, il a burn toute sa mana, s'il a fait vraiment la priorité contre Sertus, il peut la prendre. Et du coup, il permet à Markoun de prendre son Carapater. Ouais, et on permet de sécuriser le crash de la vague. Est-ce qu'on va pouvoir reset hein, du côté de Patrick et Mikix? Non, il va pas pouvoir reset et en soi c'est bien ces petits trades de cours pour la SK Gaming puisque Jésus joue avec 3 potions. Entre une seule potion et une Dawnblade du côté de Patrick, donc c'est bien ce qu'ils font actuellement les SK Gaming pendant que Jhenax est fine. Il se passe pas grand chose, juste Jhenax après le Carapater. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, il a eu le temps de faire ça. Il a une dizaine de CS d'avance, il est plutôt bien dans son match-up. Ouais, il explose même. Bah ouais. Je pense que le match-up est pas censé être trop... Alors après Gnar monte en puissance hein. C'est ça, Gnar a un peu le scaling dans le matchup. En teamfight aussi Graves a l'early laning phase parce qu'il a le push tout simplement. Mais tu dois pas créer un écart de CS aussi monstrueux aussi rapidement, je pense. Ça manque du cled de Finn. Ah, son cled est somptueux. Honnêtement, son cled, son GP, c'est deux de ses meilleurs champions pendant que la XL essaye de push cette wave jusque sous la tourelle. On essaye de se débattre pour l'SK Gaming. Pour l'instant, on tient tranquillement, on n'est pas en danger. Gilius qui va finir son deuxième cycle de jungle, en fait, il recommence un petit coup. Et est-ce qu'on n'a pas un petit gank à mettre, notamment sur le topside, avec ce Gnar de Finn qui est un peu avancé, niveau 4, il vient de passer en mini. Mon cher Noir, je reconnais cette game. C'est la game où on attend le kick de Gilius. On attend le niveau 6, patiemment. On attend peut-être un mini trap des DXL qui, du coup, ne backpack, mettent beaucoup de temps. Triste malheureusement avec son trinket rouge qui ne verra pas la ward juste derrière lui. Et une botlane, c'est Jésus arrive à back qui est plutôt à leur avantage. Ouais, alors Gilius qui arrive sur le côté du bot side, qui va pouvoir prendre un peu le pollen pour la vision. Et il y a un dragon infernal à faire. Mais alors vu qu'on vient de back côté Jésus, il va tout de même le tenter. Pas de problème pour Gilius. Il a raison parce qu'il a vu la Jinx qui backait. Et du coup on a un petit timing et Triste qui lui est resté. Et ce dragon va être sécurisé par Gilius. Très bon play de la part d'SK, mais attention tout de même Markoun Road. Je pense qu'il peut rien faire. Il n'y a plus de vision. Alors même si tu voles avec un joli smite, derrière tu vas y laisser ta peau Markoun et il préfère ne pas le contester. Sertus, c'est bon, il va pouvoir traverser cette river. Markoun le zone un petit peu. Dans tout cela, le grand gagnant, c'est peut-être Mikix qui lui a pu prendre son back, ce qui n'est pas le cas de Tritz, qui est resté sur la carte et qui va peut-être commencer à être un petit peu en galère. Ouf, il fout le mana. Oui. Ses premiers objets lui servent tant. Bah, bon, faut pas se faire trade quoi. Bah, Boot et Pink Ward, c'est bien pour un support. Et tu vois, du coup, il est obligé de back maintenant. Donc ouais. Là, on a la tempo du côté de Mikix. Mikix sait qu'il a la tempo, du coup, il exagère et il va jouer sur la mid lane. Pendant que Finn, lui, se fait trade par Jhenax. Et du coup, c'est bien ce que fait Mikix. Il sait qu'il allait devant. Et du coup, il met la pression sur Sertus qui respecte bien. Ouais, on est un petit peu tôt pour que ce soit encore du setup pour le héros de la faille. Mais voilà, on essaie de roamer. On n'a pas pu aller prendre de la vision un peu deep du côté de Mikix. J'ai pas l'impression qu'il avait trop de ward en stock. Non, il a pas pu malheureusement. Et du côté de Gilius, après avoir fait tranquillement ce dragon, on repart au full clear. En termes de farming, tout le monde est even, sauf Jhenax qui a déjà de l'avance. Mais globalement, une game où il se passe pas grand chose en early, ce qui est avantageux pour SK Gaming. Ouais, je dirais que je donne quand même le scaling à Renata.
Renata Felios. Je pense qu'il n'y a quand même pas grand chose de plus fort actuellement en combo dans le jeu compétitif. Arrivé bien sûr en teamfight de late game. Faut voir comment c'est joué. Faut voir comment ça s'organise pour la SK Gaming. Mais très curieux du coup de voir une Renata dans une game even. Parce qu'on. Bon, il est sang, il a joué Renata contre BDS et la game était un stomp total. Donc on va apprendre tous ensemble. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut deny DCS ? Ah ouais. Il s'est chauffé, je sais pas s'il a gagné tant de temps que ça. Bah, il a peut-être gagné les coups pour lui deny le canon. Peut-être. C'est très tryhard, hein. Mais Nuke 2, c'est perfect. Et l'année du canard. Je n'avais, au bas mot, jamais vu un race faire ça. Et je pense. C'est très drôle. Je pense. C'est pas con, hein. Alors, c'est pas con, mais c'est puant parce que du coup, là, il a plus d'ulti pour mettre de la pression sur la carte. Disons que là, il a pas non plus. Il a pas eu un avantage incroyable dessus. Il aurait deny toute une vague comme ça, ça aurait pu être sympa. Ah là, il a deny un canon et un mêlée. Il aurait probablement rien deny s'il ne l'avait pas fait. Bon. Le truc, c'est que maintenant il y a le call du côté de Aska. Les gars, il y a l'ultimate de Ryze. On peut jouer du coup le Renafai potentiellement pour l'Aska Gaming et Renafai qui respawn dans 10 secondes. Ouais, d'ailleurs, petit reset de la duo LNG Zutritz. Est-ce qu'on va directement swap et partir là-bas? Je vois bien quand même Jésus revenir au bot pour aller farm. On est dans le fameux problème de Afeus contre Jinx. Donc s'il y en a un des deux qui reste bot lane, il va prendre beaucoup de plate. C'est un petit peu un jeu de poker. Et tout le monde va au héros finalement. On va jouer un gros teamfight. Et un gros teamfight au héros de la faille sur le niveau 6 de Renata. Sur le niveau 6 de Renata, c'est un champion pas très utile. Il y a toujours ce Z. Toujours ce Zen. Mais là, Fini va arriver. Il a quasiment stacké son méga. On n'a pas de vision. On n'a pas d'informations sur Nuke Duck. Qui va mettre un peu de DPS. Et le go-in. On va supprimer le jungler. Le smite. Gius qui va se repositionner. Le décalage finalement de Jenax. Mais on va probablement pouvoir finir l'objectif. Gius la Death Rocket de Patrick. Pas comme ça, Gius. Personne n'a tanké pour lui. Le méga Gnar est très très bon du côté de Fini. On se fait attraper par du côté de Jenax. Et du coup, héros de la faille pour Excel. Patrick est trop trop bien. Et la game s'emballe. Et oui, ah, ça fait très très mal. 1500 gold, un héros de la faille qui peut être directement posé. Et oui, on arrivait tard sans vision. Et déjà, Gidius s'est fait chunk très très rapidement par Nuke Duck. Il lui a pas laissé le temps de prendre, on va dire, un peu connaissance des lieux. Et personne qui tanque la roquette, c'est une catastrophe. On va revoir ici le focus de Nuke Duck qui est très bon sur Gidius. Flash instantané Flay. Du côté de Mythix, le set de Renata qui est parti ici et maintenant, la Shockwave qui était belle, hein, du côté de Sertus, il a tout donné. Et en plus, on sort une Pink Ward. Là, Jenax ne tank pas à Pixel. L'Hitbox est un peu permissive et la Pink Ward juste au-dessus de Jenax, à qui le coince et qui permet à Fin de trouver cet engage. Ah, il est déçu, Gidius. Il sait qu'il va devoir cravacher pour essayer de remonter. Il sait qu'il n'a pas le droit de perdre. Hein. Si les SK perdent cette game, les SK sont hors playoff. Point final. Là en plus, il y a une tourelle top qui est tombée en faveur de Patrick. Ça va charger sur la T2, il n'y a personne pour défendre côté SK Gaming. La T2 même va tomber sous les coups de la 7 Jinx qui est richissime. Plus de 1k gold 5 d'avance sur Jésus. 2000 en stock. Ah, le trou, alors après, on se venge un peu forcément avec les chakras sur le bot side, mais T2 contre T1, c'est pas incroyable. C'est catastrophique. On peut le dire, surtout qu'il n'aura pas la dernière plate là, Jésus. Il commence à avoir un joli gouffre au niveau des gold. Et on n'est pas non plus des minutes scaling pour l'Excel, donc ça va compter sur ce mid-late game. Et en plus, pour rajouter encore, sur le reset d'SK Gaming, il y a un dragon qui respawn. Dragon qui devrait tendre les bras aux Excel qui sont largement en avance sur la carte. Écoute, juste avec ce play, ils prennent 3000 gold de retard, ils vont perdre un dragon, ils perdent le contrôle de la map. C'est une catastrophe. Ils ont le niveau 6 de Tritz. Peut-être que c'est le clutch. Tous les flashs sont là sauf celui de Gilus, qui est pas le plus important. Même si ça peut toujours faciliter un kick flash. Mais il y a complètement moyen de jouer ce fight. J'ai pas l'impression qu'ils se motivent tant que ça non plus. Ils ont pas de vision, ouais. En fait. Ils ont juste l'information dans le pit, donc ils savent qu'il est start actuellement. Gilus a pris son reset. Triste, faut juste pas se faire catch maintenant. Le truc, c'est qu'ils sont en retard et ils ont été en retard sur toutes ces prises objectifs et de vision. Donc ils peuvent pas les contester à cause de ça. Parce que c'est pas la même situation si c'est la Renata qui est déjà en position et qui attend que toute l'équipe passe par un petit goulot d'étranglement pour mettre un gros air dans le tas. Totalement. Ils ont trop peu de vision actuellement et c'est la grande force, je pense, de Mythix en termes de vision, de tempo, de comprendre la carte, de jouer sur les bons objectifs. C'est, de mon point de vue, le meilleur support en Europe. Et on le voit en termes de vision bot side avec toutes les pink wards. Maintenant que Vendeur est parti, c'est le plus expérimenté, Mythix. C'est vrai, mais Vendeur n'était pas aussi bon que Mythix.
Mais je parlais d'expérience. Oui, si tu veux. Mais... positionnement de la Ward. Après, je vais pas te mentir que les Sang est le plus expérimenté que Mikix. C'est vrai, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié Godzilla Sang qui nous vient directement des UOL, Unicorn de l'amour. Unicorn de l'amour, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus du coup. Bah, ils jouent en Ligue 1. Et ils jouent russe. Bah, c'est dommage, dommage, c'était une belle équipe à voir en LEC honnêtement. On les croise de temps en temps en Worlds. C'est vrai. Bon, en général, on les croise pas longtemps, on les croise juste en play-in. C'est ça. Allez, Axel, peut-être Mikix, une agression ici à trouver sur la SK Gaming. Le hook ne connectera pas. Et Gilius, par contre, il est dans la river. Il a peut-être une idée de gank ici, Gilius. Il peut faire grand chose avec cette lane. Il est vu, hein, il y a la pink. Il est complètement wardé, Gilius. On a Markoon qui est pas loin au niveau de cette mid lane. Ouais, la partie qui est quand même bien bloquée par les Axel. Markoon, tu peux, ok, ouais, la partie est totalement lock. Et de toute façon, pour la débloquer côté SK Gaming, peut-être que la seule solution c'est le Hullbreaker de Jhenax, mais il a plus de T1, il a plus de T2, donc il peut pas push. Ils ont vraiment zéro engage, donc pour se créer des opportunités, à moins que les Excel rentrent pieds joints dans un buisson et fléchèque avec leur corps, logique, ça va être compliqué. Et le truc, c'est qu'avec Excel, bah, ils vont juste mettre la pression sur toutes les lanes. Là, le Gnar, on le voit, Finn, il arrive à complètement push maintenant et il commence à arriver à décaler un petit peu. Donc il faudra juste qu'il finisse son Hullbreaker. Je pense qu'il permet à Jhenax de tenir en side lane. C'est terrible, quand tu vois tous les items du mid jungle, on peut pas fight actuellement pour la SK Gaming. Il va falloir attendre l'erreur d'Excel tout simplement, attendre un dive trop deep. Et c'est le genre de choses, je sais pas si Dritz en est capable. On sait qu'il aime beaucoup agresser, il aime beaucoup créer des fights. Et là il doit juste attendre l'erreur d'Excel. Elle est peut-être ici d'ailleurs l'erreur d'Excel. Ouais, le dive d'une Renata, ça peut très vite mener au désastre. Avec un Felios qui a Infernum Gravitum et ils l'ont pas tenté. Je pense que c'est sage, ils ont pas besoin de tenter ce genre de move ultra risqué. Ils ont pas besoin, mais par contre la rotation est belle hein, quand même. Finn qui avait bougé, on crée le surnombre avec le mouvement du top laner. Sur le papier, c'est du beau jeu, mais au final, c'est Jhenax qui s'en sort bien et qui va peut-être pouvoir récupérer deux plates, mais il pourrait se faire punir par un ultimate de Nuke Duck. Il a grid, aïe aïe aïe, ça sent la grid du côté de Jhenax. Portail transdimensionnel, Finn qui va arriver avec deux joueurs supplémentaires. Ce méga Gnar en plus, condamné Jhenax, c'est du grid. C'est du grid totalement. Et quitte à grid, je pense qu'il aurait dû prendre encore plus de plates et limite partir vers la jungle d'Excel pour leur faire perdre du temps parce que là il donne juste un kill trop gratuit. Oh, Gilius, Gilius sur Nuke Duck, l'accélération potentielle de Gilius, le kick. C'est pas suffisant. L'onde sonore, il essaie d'attendre la fin du Blasting Cone. Et petit pas de Nuke Duck, assuré, quelle confiance. Et force au flash out, Gilius du coup, pas terrible, mécaniquement. Ouais, et on force pas grand chose sur Nuke Duck. Ah, il a pas réussi à enchaîner assez vite avant la cage. Non. Je pense qu'il a kick. Pendant qu'il était cage, il a dû appuyer sur flash. Ça a pas marché, je pense. Enfin, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est tout à fait honnête. Mais Nuke Duck, il a des bons petits pas, qui avait de toute façon une stopwatch. Il était très très large en vérité, Nuke Duck. Avec son flash en plus. Ouais. Ce play ne pouvait pas aboutir en un kill. Et il utilisait l'Everfrost ou même pas? Peut-être qu'il a, je crois qu'il avait utilisé top, du coup il avait peut-être pas encore en CD. Potentiellement. Par contre, Jhenax récupère une tourelle, très bonne nouvelle pour la SK Gaming qui arrive à grappiller un petit peu en side lane et se greffe qui petit à petit prend beaucoup de ressources. Mais on a ralenti là côté Excel. Forcément, c'est dur de passer par la mid lane avec Aphelios, Orianna qui alterne pour wave clear. Maintenant, avec ce héros de la faille, on pourrait enfin ouvrir cette tour et commencer à aller beaucoup plus loin en termes de prise de vision. C'est la mid lane qu'on va faire tomber évidemment du côté d'Axel. Et en plus, pour la faire tomber dans 40 secondes, il y a un dragon. On répète assez souvent, tu as un héros de la faille. Tu joues le Drake en positionnant le héros de la faille. Tu forces les adversaires à défendre sur deux fronts et tu prends soit la tourelle, soit le dragon. Et dans tous les cas, tu es gagnant du côté d'Axel. Et même, tu peux réussir à prendre les deux si tu joues particulièrement bien. On a mis deux ZD carry sur la mid lane. Et dragon, dragon 20 secondes. Allez Renata, c'est maintenant ou jamais. Et il faut prendre la position pour les SK Gaming. On n'a pas les bonnes armes pour Jésus. Je suis pas sûr que le Gravitum dans le teamfight soit ce qui lui faille. Ouais, il va faire des dégâts. Probablement Gilius, faut l'avoir cette pink ward. Non, il l'a pas vu. Non. Oh, la pin derrière Gilius, c'est terrible en termes de vision. C'est comme trop d'informations avec un petit Gnar en plus là qui est en train de charger un méga. Ouais. Alors, est-ce qu'il va le. Il l'a stacké fini. Il va le faire exploser. Il TP instantanément dans la foulée. Il a un flash. Ça peut être un massacre. Ça peut être un massacre. Les XL peuvent complètement clear. On a utilisé Renata, on a eu Z, ça suffit pas. Et Finn qui va pouvoir passer à côté avec un ulti. Il y a eu un bon flash de Jésus qui se repositionne. Mais Sertus va tout de même tomber. Sertus qui tombe, qui a loupé sa shockwave en plus de cela. On s'est fait catch beaucoup trop tôt, la téléportation sur la pink ward qui n'a pas été vue juste avant est terrible, terrible pour la SK Gaming. La punition est sévère, 5-0 côté Excel.
Mais Kix qui par contre est un petit peu perdu dans la jungle et la punition de Jenna qui est pas mauvaise pour nos dégâts, mais on se retourne. Le grab dans la cage, le flash, le dieu Mikix. Ah, il s'est bien repositionné, mais je suis encore là, faudrait tenter un truc maintenant, il n'y a pas de mana sur Patrick. En réalité, ça grite un petit peu côté Axel, on aurait peut-être pu un peu plus punir. Je pense que le flash de Jenax était un peu précipité, on a eu trop peur sur cette phase de jeu. Et joli flash de Jésus, mais bon, il y a quand même pas mal de retard. Et on peut absolument pas poser le DPS, il n'est pas encore prêt ce Aphelios. Là, triste, le hook, il ramène Viego vers son Lee Sin, je sais pas si c'est le bon play. Derrière, il est forcé au flash out, il met un bel ultimate, mais son équipe n'est pas présente. Donc il se fait fumer, la shockwave de Sertus. Et je crois assez loupé, si je ne m'abuse. Ouais, il y a une belle gale force, il y a une belle gale force. Et derrière, flash in, flash out sur Finn, qui arrive à tout de même trouver Sertus malgré son flash. Et c'est terrible, parce que du coup, plus de flash sur Jésus, plus de flash sur Sertus. Le prochain teamfight sera impossible à jouer. Allez, on avait mis le Heralmi, donc là, il n'y a plus que deux auto-attaques pour faire tomber cette tour. Ça devrait pas être trop compliqué avec une Jinx qui vient enfin de finir son Rapid Fire Cannon. Qui est très bien dans sa partie, Patrick. Ça peut s'accélérer très rapidement. Ça va être compliqué, on va voir comment ils peuvent comeback. Peut-être avec un catch sur Mikix, Gilius qui se lance à l'abordage, qui se repositionne. Guerre sur Jenax. Allez, pas comme ça. Après tout ce que tu as fait, Gilius. Il va y avoir un clutch, il va y avoir un truc. Oui, on a. Ce n'est pas fini, nous. On attend le God Gilius move, le Steam du Baron Nashor qui est un peu flippé, le kick de l'infini de Patrick. Enfin, c'est ça qu'on attend. C'est dans les moments les plus sombres. Patrick sur Jésus, les dégâts sont très bons du coup. Patrick, est-ce qu'il va tenter une roquette? C'est chose faite. Mais ce coup-ci, Gilius se met bien devant. C'est dans les moments sombres, on attend le God Gilius. Il se fait attendre là. Parce que si quelqu'un t'avance, Jinx Rise en face. On n'a pas débloqué le compteur, hein. Zéro kill encore. Ils ont un dragon, donc il n'y aura pas de perfect game. C'est vrai. C'est déjà ça pris. Et ils ont pris une tour au bot. Et ils ont pris une tour au bot, bien vu. Ça fait un bout de temps. De toute façon, maintenant les perfect games pour prendre vraiment 0 Herald, 0 Dragon, 0 Tour. En plus, maintenant avec les bounties où tout de même t'as intérêt à un moment de te motiver, envoyer quelqu'un en speed push. Je suis pas sûr d'en avoir vu une seule cette saison 2022. C'était déjà rare de base. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir une perfect game. On a vu des games sans kill, mais pas de game sans rien. Sans rien, ouais. Toujours au moins un petit objectif de récupérer. De ci, de là, et puis surtout avec la Metal Breaker, il suffit de laisser Jenax un petit peu ça dans cette lane et il en prendra des toiles. On le renvoie au bot. On va commencer à tourner, à rôder autour du Baron Nashor pour les XL. Les one-hit du chat, cassé Solari, il n'y a pas eu de kill, mais il y a eu des objectifs, les frérots. Juste au cas où. Les one-hit. Bah, ils sont one-hit. Sont... Les mots sont durs. Bah, les mots sont réels. Je crache des faits. C'est vrai. Et pourtant, tu parles plus de 7000 langues. Tout à fait, belle référence. J'ai choisi de cracher des faits. Très 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 belle référence. Ah, Jésus, par contre, peut-être en difficulté, il a plus de flash, on le rappelle, le hook ne connectera pas, les mouvements sont bons. 2 minutes, prochain dragon. Pareil, on va continuer à mettre beaucoup de pression sur le baron Nashor. On voit 1, 2, 3, 4 pink ward autour du baron. On a la totalité de la vision, on voit le red buff. À n'importe quel moment, on peut faire un call avec un TP de Ryze. On sait que ça peut aller très vite. Est-ce que les XL vont oser maintenant? Il est important pour eux ce match. C'est l'assurance de la qualification. Peut-être un peu de pression aussi du côté des XL. Oui, un peu de pression en effet. Je pense que la pression est quand même plus côté SK. Je pense que c'est plus dur de jouer avec obligatoirement la win que de jouer avec il ne faut pas perdre. De mon point de vue, Mikix. Souk est très très bon sur Gilius. Et on arrive à se repositionner avec le flash pour ce Lee Sin. Parce qu'au final, c'était juste qu'il n'y a pas eu d'objectif, mais il y a eu des morts. C'était pas une perfect game, voilà mon point de vue. Les faits sont toujours crachés. Finn qui récupère son deuxième item, ça va devenir de plus en plus compliqué de le tenir. Et là, on voit Mikix qui fait un bon boulot de vision sur tout le top side. Le travail de ward est présent. On évolue dans le noir du côté de Gilius qui est forcé au facefake. Ce coup-ci, il n'a pas de flash. Donc la prochaine fois qu'il va facefake et qu'il y aura une peine capitale, ce sera la mort pour celui-ci. J'attends toujours, je veux au moins un combo Jésus Tritz, full DPS, full arm, flash in, tout ça de ce Aphelios avec un gros Z sur un ulti de Renata. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'il faudrait à SK Gaming pour essayer de comeback. Après, c'est la fin de la partie qui est la plus dure pour XL. Ils n'ont pas énormément de moyens d'engage, eux non plus. On a un wave clear qui est faramineux en face. On est en red side pour SK, ce qui donne une défense du baron qui est tout de même assez facile. Donc c'est le moment où, voilà, pour faire le clutch, il va falloir être bon.
Fafara est très très bon et ce n'est pas comme ça du côté de Jenna qui va devoir sûrement consommer son flash pour sortir. Il l'a pas. Il va bientôt le récupérer. La Jenna, il avait pas le flash et il se fait choper par Finn. Par trois joueurs Excel. Je sais pas si c'était bien timé, mais ou si c'était timé, mais ça a l'air très bien timé cette agression. Je pense qu'il était très bien timé. Ouais. En effet, mais j'ai même pas vu tellement il restait peu de temps. Il restait 5 secondes, hein, donc peut-être qu'ils se sont dit ah, bah, attendez, on a moyen de lui mettre une petite taloche sur l'arrière de la tête. Oh, Gilius, que fais-tu? T'avances dans cette river tout seul. Gilius, tu n'as pas de flash après tout. Et Gilius qui se fait attraper, c'est la catastrophe, Noah. Et c'est la débâcle. Il n'y a plus rien. Gilius qui essaie de s'entendre avec le Z de Renata, ça n'aura pas suffi. Le flash in de Nuketuck, le canard. Jésus ne pourra pas s'en sortir non plus. Et on va essayer de temporiser, mais c'est 4 kills, plus que Certus. Un baron Nashor, un dragon des montagnes. Et probablement une fin de saison pour SK Gaming. C'est une fin de saison. Et c'est une entrée en playoff par contre pour Excel. Tout à fait. Premier playoff de l'histoire de Excel depuis que le LEC est franchisé, depuis que Excel est Excel. Ils n'ont jamais eu cette opportunité. C'est beau. Et c'est de très loin la meilleure équipe d'Excel. Oui. Très loin. On peut déjà se permettre de parler comme ça parce que le comeback semble impossible pour la SK Gaming. Je vois pas comment. Ils sont trop derrière. Ah, moi j'allais te dire, il y avait une chose, un ultimate de Renata, le mec qui ulti vole de Baron Nashor pour lui. Oui. Et tu vois, là peut-être. Mais moi aussi j'attendais ça, mais en fait le truc c'est qu'ils ont pas pu faire un seul vrai fight, les SK Gaming. C'est-à-dire que soit ils ont dû courir sans vision sur des objectifs un peu à l'arrache, un peu comme il s'est passé, mais on n'a jamais eu un fight où Renata était derrière son équipe, pouvait mettre un bon ulti et on pouvait trouver un engage. On est trop mal setup pour les SK Gaming. On a toujours un coup d'avance, les Excel ont une meilleure vision, un meilleur contrôle des waves. Enfin, un meilleur contrôle, ils jouent mieux quoi. Ils jouent beaucoup mieux, les Excel, une game très convaincante par contre de leur côté, il faut le dire pour le moment. Et on va maintenant s'avancer pour aller terminer le match probablement. On va jouer mid-bot, j'ai l'impression, pour les Excel. Et les SK Gaming, il va falloir tenter un move désespéré. Gilius a bientôt son flash. Gilius, c'est ici et maintenant. Les yeux de l'Europe sont sur toi. Oh, sur Marco, c'est pas. Ah, dommage. Pas fou Markoon. Malin. Oh là, il y a une TP loin là. Jenax qui va tenter quelque chose sur Finn et sur Nuketuck. Est-ce que vraiment peut tenter quelque chose? Je crois pas qu'il ait été vu par aucune ward. Et on va commencer à essayer de passer par derrière le piège sur. Parce que ça va se faire juste one shot hein, le bon Jenax. Hein. Je pense Ouais, mais Gagnar, ouais. Ah, il a abandonné Nuketuck, il est parti. On va complètement tuer le canard, mais au mid, mais au top. Ça va coûter très cher. Ça coûte très très cher au SK, ça reste un play créatif, pourquoi pas, fallait tenter quelque chose. Franchement Finn, aucune considération pour ses coéquipiers, hein. C'est pas vu. Surtout qu'il aurait pu le défendre, il aurait pu prendre 2 CC pour lui et s'en aller tous les deux avec l'ultimate de Ryze honnêtement. Il est passé à côté, m'en fous. Ah oui, non, il a juste couru. Mais on se rigole d'avance, c'est Gilius, c'est maintenant, il le sait. S'il y a un team fight à prendre, c'est bon que Nuketuck est mort, mais malheureusement on n'y arrivera pas, on va pouvoir reset du côté d'Excel. Avec tous ces golds, on a lieu du côté de Patrick. Et la game va se conclure incessamment sous peu. En plus, Noa, dans le pire des cas, il y a les dragons. Il y a une potentielle âme des montagnes du côté de Excel. Donc ils sont plus que larges dans ce match. Oui. Puis bon, avec cette Jinx, dans d'aussi bonnes conditions, qui a une IE d'avance sur son vis-à-vis. En plus, c'est une stopwatch. Il a 2 summoners. Et ils ont tout. Il manque juste le flash de Nuketuck. Ok, lui, ce bluff n'est pas à toi. Il doit reculer face à Markoon qui a 2 items aussi. Oh, c'est tellement fini. Il y a tellement rien, il y a tellement pas de dégâts en plus avec le stuff de Jésus. Il n'y aura pas de dégâts sur Aphelios. Et c'est pas non plus Certus là à ce moment-là. Il leur manque un item. Il leur manque tous un item quasiment pour pouvoir se dire qu'ils peuvent essayer de turn un teamfight. Ah, une Renata we believe, hein, peut-être. Hein. Mais je pense que les XL ils jouent bien. Hein. Ils ont évité. Ils jouent très bien. Ils ont évité soigneusement tout teamfight front to back en 5 contre 5. Ils ont toujours réussi à désamorcer ce que pouvait faire SK Gaming en faisant un pick-up, en étant en avance sur la carte. Et du coup, est-ce qu'ils vont, pour terminer la game, devoir se commit? Je pense pas, encore un pick-up. Gilius qui prend beaucoup de dégâts. Oh là là. Renata qui a été consommée. Gilius qui veut se retourner. Est-ce que c'est la bonne idée? Non, il va marcher dans les chompers. C'est Gilius qui va tout de même. Gilius, que fais-tu? Le kick sur Patrick est bon, mais Patrick peut se repositionner à la lanterne de Mikix. C'était bien tenté, Gilius. L'ultimate de Renata. Markoon qui va mettre une petite mangale sur Mikix. C'est instant cleanse pour Patrick. Et Gilius n'aura rien pu faire. On y a cru. Oh, tu as cru tout seul.
T'as pas cru qu'il pouvait tuer Patrick? Ah non, non. Non, pas du tout. Il y a Stopwatch, il y avait Flash. Ouais. Compliqué. Le cœur y est. Le cœur y est. Le cœur y est. Le cœur y est. Tout le monde n'est pas autant de cœur à l'ouvrage. C'est surtout face à l'échec. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Ah, c'est dommage quand même, parce que ça va retirer pas mal de suspense. Mais bon, pour le coup, c'est mérité pour cette équipe d'Excel. Oui, oui, oui. Et je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire en playoff, parce qu'en soi, ils ont montré de bonnes games. Donc même en playoff, c'est pas une équipe si facile à jouer. C'est pas free win du tout contre Excel. Y a pas d'équipe gratos. Après, on a du mal à les voir faire tomber les grosses équipes en best of 5. Mais on peut se permettre de rêver. Nuke Duck. Ah, Nuke Duck, son année. Ça serait, la storyline serait incroyable qu'après toutes ces années, Nuke Duck finalement pop off avec Excel. Ils veulent prendre ce fight, Leska? Oh, c'est le fight de la loose. Regardez le positionnement de Finn, il est trop trop bien avec son... Non, regardez Finn avec son méga. Oh là là, encore un grab et Finn qui va arriver par derrière, personne ne l'a vu, adulti, on ramène tout le monde. Et déjà, premier mort, la shockwave est bonne, mais il n'y a aucun follow-up de dégâts. Et ce sera probablement la fin de game, non, avec une très belle victoire, Excel. Adieu, Jésus, repose en paix. Qu'est-ce qu'il fait, Genex? Rip in peace. Ah, il veut prendre la wave Genex tout simplement, mais il va se faire raccompagner par Mekix, qui va l'empêcher de s'approcher des creeps. Markoum qui va venir, qui normalement c'est un 20, et il doit le remporter je pense avec son Viego. Il est très costaud, après c'est un mal breaker Graves tout de même, qui se défend plutôt pas mal. On voit le trade qui est pris par Markoum, quel trade incroyable pendant que son équipe conclut le match. Ils ont une vague de creep au top, il peut se battre autant qu'il veut, Genax. Mais ça ne changera pas la fin inéluctable qui attend les SK Gaming. Gilus qui vient de réapparaître, Genax qui joue tout, il prend son kill. Deuxième kill de la partie pour SK Gaming. Pendant que le Nexus est détruit brique par l'Excel qui se qualifie en playoff, c'est validé. C'est validé pour l'Excel, première fois de leur histoire, première fois pour cette structure qu'il y a une qualification en playoff avec une très belle équipe, une botlane super solide, un Nukeduck relativement en forme, un jungler prometteur et un top laner qui revient après une année en Amérique du Nord pas du tout concluante mais qui joue plutôt bien sur une méta carry en plus. On va voir ce que ça va donner pour l'AXL et pour SK, c'est forcément une petite déception après avoir vaincu la bête Rogue hier, après avoir fait un énorme upset. On se fait de suite calmer par l'adversaire direct pour les playoffs en la présence d'Excel qui fait une très belle game, qui monte encore en puissance hein. Vraiment ça ne s'arrête pas, il s'améliore à chaque fois, peut-être sous l'impulsion effectivement de Mekix. Depuis qu'il y a Mekix, ça joue quand même beaucoup mieux, même en mid game et tout, ça snowball vraiment bien les parties. Et donc pour les playoffs, bien, la prochaine game va être très intéressante parce que ce sera Mad vs Astralis. Et derrière, ça se joue plus qu'entre Mad et Vitality en réalité. C'est ça. C'est qui de Mad et de Vitality ira prendre cette dernière place en playoff? C'est la question auquel on va tenter de répondre. Avant ça, bien sûr, on va les débrief en plateau analyse ici une petite minute. On se retrouve sur OTP.